Ce mardi soir, le Fenerbahçe mal embarqué en championnat, 14e après 21 journées, et le Zénith Saint-Pétersbourg, qui n'a pu jouer depuis le 13 décembre, ouvrait le bal des 16e de finale de Ligue Europa au stade Ükrü Saracoğlu, à Istanbul. Le club turc a parfaitement négocié ce match aller en s'imposant 1-0. Fenerbahçe a pris l'avantage lors d'une première mi-temps à sens unique, menée par Victor Moses et Mathieu Valbuena, intenable sur les ailes. Islam Slimani ouvrait le score sur corner à la 20e minute, reprenant de voler un ballon cafouillé au premier poteau. Le Zénith Saint-Pétersbourg est acculé dans son camp et ne peut répondre aux offensives stambouliotes. Si ce n'est sur un contre à la 42e minute, Mehmet Topal crocheta malencontreusement Sébastien Udryussi dans la surface en voulant dégager son camp. Peu sollicité durant le match, Aaron Tekin se transforma en héros du soir en détournant sur la barre le pénalty tiré par Robert Mack. La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première avec des Turcs très entreprenants. Autour de l'heure de jeu, les Russes se créeront quelques opportunités sans pour autant revenir au score dans une fin de match décousue. Le match retour aura lieu le 21 février à Saint-Pétersbourg.